Eh bien, salut à tous, c'est Flow Stunting, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V, puisque je pense avoir découvert un petit truc. Bon, c'est pas, je pense pas que ce soit grand chose, mais je pense que ça peut faire un petit peu évoluer le mystère. Alors, tout simplement, j'ai vu dans quelques vidéos qu'on parlait un petit peu de l'œuf. Enfin, j'ai vu dans une vidéo, puisque c'était que dans une vidéo, je sais pas si. Il y a des autres vidéos qui ont été faites, mais que tout simplement l'horloge à Palaito Bay, là où il y a l'œuf, restait sur midi. Il reste pas sur midi. La grande aiguille qui minute sur les minuteries, en fait, elle bouge. Mais par contre, celle des heures, elle bouge pas. Elle reste sur midi. Je suis d'accord. Et donc tout simplement, je pense que j'ai découvert un petit truc. En fait, je suis parti du haut du mont Chia. Je sais même plus pourquoi faire. Et j'ai tout simplement vu un genre de petite non c'est pas c'est l'ombre en fait. J'ai vu l'ombre du mont Chiliad projeté sur Palaito Bay et je me suis dit mais oui, si on n'attendait pas midi et que ça donne tout simplement un emplacement et qu'on mette tout simplement l'OVNI sur le schéma, où on voit sur le schéma un genre d'OVNI, si tout simplement on replaçait pas le point là, au-dessus de l'ombre, est-ce que ça nous donnerait pas un emplacement spécifique? Et donc je suis parti de là. Et je me suis rendu compte que en fait l'ombre elle revenait sur le mont Chiliad et donc il n'y avait plus d'ombre en fait. Et après maintes et maintes réflexions, en allant sur au-dessus du mont Chiliad, tout simplement la plus haute en haut de l'or, putain c'est chaud à expliquer en fait. Attendez, voilà, donc là nous voilà, donc je vais vous montrer en fait tout simplement que là juste là en fait voilà, on voit en fait tout simplement le l'ombre et ensuite juste là en fait je me suis dit putain ça représente un peu le mont Chiliad. Et en fait pas du tout, comme vous avez pu le voir en fait là à gauche en fait c'est beaucoup trop large alors que la droite c'est beaucoup trop fin. Voilà, donc je me suis dit c'est pas possible. Et donc là le temps défile, on voit que l'ombre revient vers moi en fait jusqu'à un certain temps. Et écoutez, je vous laisse sur cette prise de vidéo.
Donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, il n'y a plus d'ombre du mont Chiliad. Et c'est là où ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, il n'y a pas d'ombre en fait? C'est ça que je comprenais pas. Puis c'est en regardant le soleil, je vais me dire, mais attends, il est midi et le soleil, justement, il est au-dessus du mont Chiliad. Est-ce que justement, si on va pas à Palétobé, on peut pas voir en fait tout simplement le soleil? Et en allant à Palétobé, puis en attendant justement que le soleil arrive au-dessus du mont Chiliad, je me suis dit, mais attendez, est-ce que justement Rockstar n'avait pas prévu en fait justement ça? Est-ce que justement ils avaient pas mis en fait tout simplement cet œuf à Palétobé encadré tout simplement qui faisait une horloge et qui restait à midi? Est-ce que justement il n'avait pas fait exprès? Est-ce que justement le schéma l'OVNI qu'on voit au-dessus, c'est justement pas le schéma, c'est justement pas le, en fait l'OVNI, mais aussi le soleil. Ça, c'est l'OVNI et le soleil en même temps. Est-ce que ça peut pas être ça en fait? C'est ça que je me suis dit, donc je suis retourné tout simplement à Palétobé, je me suis tué. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû refaire plein de tentatives parce que il y a des fois où je me loupais. Et il y a des fois où j'étais au mauvais endroit. Et j'ai repensé en fait tout simplement à cet endroit là où on le voit. Je me suis dit, mais attends, est-ce que justement si on retourne pas en fait tout simplement le jour de cette merde. Bah tout simplement la colline qu'on peut voir d'en haut du mont Chiliad. C'est pas vraiment une colline. Cette plateforme, et puis qu'on l'a retournée. Et bah en fait ça colle, il y a un côté large et il y a un côté fin comme sur le mont Chiliad. Et c'est là où je me suis dit, mais attendez, si on va pas pile sur le point où il y a normalement l'OVNI, où on voit normalement l'OVNI sur le schéma, c'est très compliqué à expliquer. si vous suivez pas, je vous conseille de réécouter encore la vidéo. Ou bien d'envoyer des commentaires, je vous expliquerai plus en détail, où j'approfondirai une vidéo prochaine. Et donc tout simplement, si on n'allait pas tout simplement mettre le schéma sur cette bout de terre, et que on n'allait pas là où normalement il y a l'OVNI, où on voit le dessin de l'OVNI, et qu'on se mettait là puis qu'on attendait midi, qu'est-ce que ça ferait? Eh ben, je vous laisse imaginer la suite. Donc voilà, donc on peut voir que plus ça vient en fait, plus le soleil vient au sommet du mont Chiliad. Voilà midi, et on peut voir que ça concorde presque, hein. Ça pourrait presque concorder, ça concorde même, hein. On peut voir que faudrait peut-être juste que je me décale un petit peu.
ça pourrait être bien. Ça dépend d'où on est placé. Là, je trouve que ouais, ça concorde pas mal. Maintenant, en fait, je vais tout simplement vous montrer l'œuf. Voilà, l'œuf à Palais Tobé. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, en fait, faire part de vos impressions, vos commentaires, voilà, vos impressions. J'y répondrai, si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr, hein, comme d'habitude. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et que c'est une preuve assez concrète, j'espère en tout cas. Et moi, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.